Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Un chien. J'aperçois quelqu'un. Enfin, je crois. Mais rien ne m'est destiné. J'avance sous les rugissements des moteurs. Nous sommes des guerriers venus de la nuit. Les yeux bien ouverts, Blazkowicz. Et tu fais le guet. Il faut que j'aille pisser. Oh merde! Tire-t-elle! On peut tirer dessus! Non, aujourd'hui! Blazkowicz, retourne dans la cabine et coupe l'alimentation du moteur 6, vite! Au niveau des gouvernails, ailerons frise HS.
Ouais, j'ai l'impression de piloter un frigo en béton. Merci, Ferguson. Oh, Condor 9, répondez, Condor 9. Merde, il transporte des troupes. Condor 9, répondez. Répondez, Condor 9. Ici, Condor 9. Qui c'est? Soldat Wyatt, 109e aéroporté. Ok, mon gars, ouvrez bien vos oreilles. Bon, vous voyez le manche du pilote? Je le vois. Bien, il faut que vous l'attrapiez fermement à deux mains et que vous le tiriez vers vous. Ne le tournez pas, il doit rester droit. Tirez-le juste vers vous. Bien reçu. Je crois que ça fonctionne. On se stabilise. Ok, soldat Wyatt, vous allez faire une dernière chose pour moi. Quoi? Postez un homme près de la porte latérale. Vous allez avoir de la visite. Bien reçu. Blaskovic, ouvre la porte du cockpit. Tu devras la... Non. T'es prêt? C'est parti! Non. Capitaine. L'Asie avance à un rythme effroyable. On accumule le retard. Nos stratégies sont éculées. Nos armes dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Pas moi. Je suis là pour voir un vieil ami régler mes comptes. Je vais changer la donne. Fergus, où t'en es de ton côté? Blaskovic, on est dans la merde jusqu'au cou ici. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Ouais, j'ai le même problème ici. Je suis coincé dans une épave. Tu vois par là-bas? Hé Wyatt, allumez les lumières. Blasco, est-ce que tu la vois? Wyatt, dis-moi ça vite. D'accord. Je vous vois. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Impossible de l'atteindre d'ici. On est piégé dans cette boîte de conserve. Et toi, tu pourrais peut-être tuer ce cabot en utilisant la tourelle dans le cockpit de notre appareil. Il nous faudra au moins ça pour en venir à bout. Essaie d'y aller à la nage. Tant que tu gardes la tête sous l'eau, tout va bien se passer.
Bonne stratégie, Fergus. J'arrive tout de suite. Par le boucher. J'aurais dû tuer ce type il y a longtemps. Hé, hey, calmez-vous un peu. Lasco, tu veux savoir comment je propose de traverser cette magnifique plage sans se faire déchiqueter ?
D'accord. Écoute. Il y a trois lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire étriper. Alors tu vas m'infiltrer ces tranchées et éliminer les tireurs. Tu vas devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Nous on reste ici pour te couvrir. Compris. Ah, prends ce casque. Je te tiendrai informé depuis notre position. Ok, prêt à balancer les tirs de couverture ?
Dans les niveaux supérieurs du bunker à flanc de falaise. Il faut les neutraliser. On a des avions dans le secteur et ces canons vont les réduire en miettes.
réussi à passer. On se rapproche de la paroi de la falaise, juste en dessous de la base du boucher. J'espère qu'on a une corde assez longue pour grimper jusqu'en haut. C'est du beau boulot, Blazkowicz. Mais il reste encore un canon un peu plus haut qui canarde nos avions. On a commencé à escalader la paroi sous le château. Dépêche-toi de nous retrouver là-haut.
Tire mon chapeau, Blazkowicz. On a mi-chemin sur la paroi. On sera bientôt à la base. Retrouve-nous en haut. Hé, hey, soldat Wyatt, j'avoue qu'on a une vue magnifique d'ici. Mais vous allez me faire le plaisir de vous bouger le cul et de monter cette putain de corde. Je vais vous aider. Soldat Wyatt, merci. Je suis sûr que vous me rendrez l'appareil, capitaine. Venez, je vais vous aider. Se compliquer. Juste derrière nous, se trouve le pilier de l'armée allemande. Oui, qui sort celui-là. Soldat Gates, au rapport. Bien, dévoué et fou allié, bienvenue sur le front. Prenez ce soldat. Bon, ça fait des années que nos forces n'ont pas été aussi près du général Strasser. C'est une sale blessure, soldat. Soignez-la bien. On élimine le général. On aurait la machine de guerre des Bosch, sinon c'est eux qui vont nous bouffer. Bon, ça va, fiston? Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Est-ce que c'est normal? C'est les nerfs. Je vais t'apprendre un truc. Inspire, compte jusqu'à 4. Expire, compte jusqu'à 4. Et le tour. Et d'obéir à des putains de Frankenstein nazis mutants. Alors tout le monde est prêt? Cette fois-ci. On va faire le boulot jusqu'au bout. Bon allez, on se met en route, allez! Eh ben, t'es fatigué ou quoi? C'est à la guerre, pas sur les bancs de la messe du dimanche. Allez, debout! Une bonne équipe. Comme
comme un père et son fils. Capitaine Blazkowicz, Gatz, Benson, votre mission est simple. Vous grimpez sur ce mur, vous entrez à l'intérieur et vous trouvez le poste de commande qui ouvre cette putain de porte. Vous prenez toutes les armes nazies que vous verrez. Elles sont bien meilleures que les nôtres. Nous, on reste ici pour vous couvrir. Ensuite, quand la porte sera ouverte, on rentrera. Et on vous rejoindra en haut, dans les étages supérieurs. On trouve le boucher et on lui éclate la tête. Vous m'en savez, sans vouloir vous mettre la pression, c'est sûrement notre dernière chance. Si on tue pas le boucher, tout est foutu. Allez, grimpez. Terminé. On est repérés! Par ici! Protégez-les pendant qu'ils grimpent! Tire de couverture!
c'est dommage. Comme je vais lui refaire, il sera plus trop d'actualité. Wir müssen ganz in der Nähe sein. Ich höre unter uns schon Geräusche. Ich hasse diese elende Warterei. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir den Feind zurückgeschlagen haben. Den Berichten zufolge, die wir derzeit folgen, ist noch höchstens eine Handvoll Gegner am Leben. Ja! Thank you.
down load over the ocean. Wyatt, look at this! On the front, mate! Le vent! Surveillez les escaliers! Body to me! Bring back! Attention! Bring back! Hey! Bring back my body to me! Je vais porter ce verre prête qui sort de toutes! Bring back! Bring back! Exterminez ces enfoirés jusqu'au dernier! Bring back my body to me! J'aurais pas fait mieux pour buter ces nazis. Beau travail, capitaine. Bon, on se dirige vers l'épave de l'avion. Blaskovic, tu nous y rejoins. En route, mon gars. Un transport de troupes. Encore des gamins vers l'abattoir. J'ai vu ça trop souvent. Bon sang. Impossible de faire bouger cette poutre. On est coincé, Blaskovic. Essaie de voir si tu peux la déplacer de ton côté. Vous pourriez peut-être utiliser ça pour la dégager. Suivez-moi. D'accord. T'es croyant, Prendergast? Je suis protestant. Vous allez devoir sauter, les gars. Vous d'abord, oui. Tu vas à la messe le dimanche? Quoi, vous avez pas d'église en Angleterre? Pas de prêtre? Ouais. Eh ben, bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Le bang! Le plan d'idée! À vous! À ton tour, Blaskovic! Ça devient ridicule. J'ai les pieds cassés. Où est-ce qu'on est? Des cendres en dessous! Il y a un paquet de cendres! Hé, Wyatt! Essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là! Vite! Vous voyez ces tuyaux? Ils sont reliés à ce boîtier de commande. Qu'est-ce que c'est? Je suppose que c'est un énorme incinérateur. Ça avez fait quoi, putain? Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte! Allez, bougez-y! Merde! Essayons ça! Allez! Non, non, on est foutus. Désolé, je suis vraiment désolé. La sommité, ouvre la clé. Ça commence. Regarde dans les tiroirs, capitaine. Allez, vite, Blasco. Tiens, vous, capitaine, la sommité. Dépêche-toi d'ouvrir cette porte. Qu'est-ce que c'est que ça? Blaskovic! Hé! Hey, vous avez déjà vu un truc pareil? En position, les gars!
fort. Bon. Respire encore. Les incinérateurs sont éteints. Vous voyez comment ouvrir la porte? J'ai vraiment pas envie de moisir ici. On peut pas l'ouvrir ce côté. Attendez. Je crois que j'entendais pas. Quelqu'un arrive. Capitaine Blaskowitz, venez écouter ça. Oh. Oh. C'est pas vrai, c'est lui. C'est le boucher. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que le train est en train de sortir. Gardez votre sang-froid, soldat. C'est la guerre. Les gens meurent. La vie est pas plus précieuse que celle que nous plantons. Crevez dans la boue du tranchant. On a fini notre vie. C'est tout ce qui compte. Le reste n'a aucune importance. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs? Mes hommes morts au combat. Tellement d'hommes. J'ai perdu le compte. C'est une langue morte maintenant. Vous? Vous me dites quelque chose? Vous me plaisez. Vous êtes un spécimen coriace. Je pourrais faire de vous un soldat formidable. Oh, j'aime beaucoup ses yeux, à celui-là. Le touchez pas, enfoiré! Mais j'aime bien les vôtres aussi. Pas les siens! Ils sont déjà abîmés! Quel dommage! Capitaine Blaskowitz, aidez-moi à choisir. À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profitera le plus à mes recherches? J'ai peu de place pour prélever des échantillons. Si vous refusez de répondre, je vais devoir les opérer l'un après l'autre, et nous y passerons la journée. Allez, un petit effort. C'est ça. Vous n'avez qu'à regarder en direction de celui que vous voulez que je dissèque. Oui, un choix très astucieux. Un préservé, des échantillons tout frais. Un intact. Vous allez me sauver, pas vrai? Je sais que vous pouvez le faire. Hein? Le général Strass. Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4. Inspire. Compte jusqu'à 4. Expire. Je vais tenter un truc. Tu
sauras quoi faire. Lâche-le. Mon Dieu, son autre âge, roi. Longue vie à notre noble. Blaskovic, il faut qu'on neutralise les injecteurs de l'incinérateur. Utilise ton tuyau pour m'aider à les détruire. Tire-moi en aide. C'est bon. Je vais m'occuper de l'estropié. Toi, tu ouvres la tête. Court-circuit le voyage de contrôle qui se trouve à côté. Sauve-moi, cette petite couillon. Les cabines qui l'ont fait, tu vois pas ça? On va te chier dessus. On va te poignarder. On a failli te violer quand j'étais à vieille, tout ça. J'ai les doigts cassés, le poignet cassé, et maintenant les deux pieds. Une fois que t'entendras, j'ai perdu ta gueule, bordel. Montre-moi les sensations. Mais comment es-tu avec ma copine, hein? Non! Bien, beau travail, Blaskovic! Allez, viens! Laisse-moi un jour! On te suit! Tu as assez de jours à filer! Przez 9 tygodni nikt go nie szukał? Nikt, panie doktorze, nie. Nie mogę usunąć odłamki. Tylko pogorszyłbym jego stan. Tak, panie doktorze. W takim razie trafi do zakładu psychiatrycznego. Nic nie możemy zrobić. Mózg jest uszkodzony. Tak. Ma jajecznicę z mózgu. Tak, panie doktorze. Jajecznicę. Obudził się. Skąd wiesz? Zaufaj mi, mamo. Po prostu wie. Kochanie, twoja córka ma tajemnicze siły. To moja córka. Ja tylko dałem tajemny wskazówek. Tato! Haben Sie noch Fragen? Zeichnen Sie! Wkrótce to wszystko się skończy. Zostawię cię teraz przy oknie. W świetle. Une sensation étrange, piégée dans mon propre corps. Je
Je m'évanouis. Je perds du temps. Parfois, on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent comme une odeur qui s'envole au vent. Mais je fais des progrès. Voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital. Non, un asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère, une sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Parfois, ils fêtent Noël ou des anniversaires. Parfois, des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strasse se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours par signer. Pas le choix, j'imagine. J'assiste à tout ça, à l'impuissance de ces braves gens. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elle. Elle s'appelle Anya. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. Wir schließen diese Einrichtung. Ihre Dienste werden nicht länger benötigt. War kein Grund, rührselig zu werden, Doktor. Sie haben zufriedenstellende Arbeit geleistet. Weitermachen. Eine Mann. Schwestern! Hier! Was ist das? Wo ist sie? Die haben einen Offizier bei der Befehlsausführung. Unsere Befehle lautet nicht, die Betreuer zu töten. Was war mit der hier? Keine Ahnung. Bring sie zum Keller. Soll der entscheiden? Komm mal auf! Komm mal auf! Scheiße! Wirklich gefälscht! Wo muss sie? Wo muss Arschlöcher! Super! Où est-ce qu'ils t'ont emmené? J'ai les jambes en compote. Mes doigts sont engourdis. J'ai le pire mal de crâne. Personne ne devrait mourir comme ça. Tuer des gens qui peuvent même pas se défendre. Déjà venu ici. Mmh.
Schießt ihn! Anya et me tirer rapidement d'ici. Anya. Thank you.
jesteś żołnierzem? Umiesz walczyć? Kim jesteś? Jestem William J. Blaskowicz. Ranger Army. USA. USA. Je m'excuse, je ne parle pas bien polonais. Vous êtes en état de conduire? Pour aller où? Peu importe. Pleurent la mort de leurs proches. Je ne peux pas partager leur douleur, trop poignante. La mienne inonderait les océans. Elle me noierait si je la libérais. On est en 60. 1960 ? Oui. Vous avez passé 14 ans au centre. On est en 60. Il va falloir que je contacte l'armée américaine. Il faut que mon unité sache que je suis toujours en vie. Il n'y a plus de guerre. C'est fini. Il n'y a plus d'armée ici, non? Ça peut pas être fini, ça grouille encore de nazis dans le coin. Ils ont gagné. Tout est fini. Les nazis dirigent le monde maintenant. Ils sont partout dans le pays. Partout. Et les Américains dans tout ça? Les États-Unis, ils... Comment on dit? Capitulé, ils ont... Ils se sont rendus. Oui, à cause de... Boum ! À cause de la bombe atomique. Ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Oui. Je vais chercher la résistance, je la trouverai et je me joindrai au combat. Oh non, 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 il n'y a plus de résistance. Tous les membres ont été capturés. Les survivants, les nazis, les ont enfermés. Et où ils les gardent tout ça, on ne le sait pas. Oh. Je suis un commandant entraîné et expérimenté qui travaille sous les ordres du général Strass en personne. Est-ce que vous savez quel sort vous attend si vous ne me libérez pas? Ça ne sert à rien de me retenir ici. Je me montrerai clément envers vous, l'infirmière et sa famille si vous me laissez partir immédiatement. Vous avez ma parole! Pauvre cinglé, mettez-vous ça dans le crâne, je fais partie d'une race supérieure. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Savez-vous qui je suis exactement? Vous avez tout intérêt à vous arrêter tout de suite et à me libérer! Du bist ein gottverdammter Irrenanstaltsinsasse! Oh.
Je vais vous dire ce qu'on va faire. Je vais vous poser une question. Et vous, vous allez me donner une réponse satisfaisante. Et si jamais elle ne me convient pas, je vais me servir de cet engin pour vous décapiter. C'est compris ? Bien, on commence. Où maintenez-vous prisonniers les résistants que vous avez capturés ? Navré, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Il n'y a pas de résistance. Zur Hölle mit dir und deinem verdammten Widerstand! Qu'est-ce que vous voulez? Où sont les combattants de la résistance? Berlin, la prison d'Eisenwald. Mais vous n'y arriverez jamais. Il y a des barrages partout. On vous recherche. On vous recherche tous les deux. Ils vous trouveront bientôt ici. Et ils vous mettront à genoux! Non, gotowy. Jesteś przystojny chłop, panie Błaskowicz. Nie taki przystojny jak ja, ale nieźle. Pilnuj jej. Rozumiemy się? Albo ja cię znajdę i zrobię ci krzywdę. Rozumiem. Dobrze. Więc wybieramy się do Berlina. Accorde-nous ta miséricorde, Seigneur. Donne-nous la force de traverser ces eaux obscures. Étouffe le bruit de nos pas et de nos souffles. Protège-nous de la tempête. Protège-nous de ces loups affamés. Prenez ma main. La route est dangereuse. Vous tuez les nazis. Prenez, je reste à la voiture. On vous attend ici. Tuez tout le monde. Foutez la paix à mes amis, enfoirés de nazis. On transporte une cargaison précieuse, on a un train à prendre. Allez, tuez les nazis!